Salut, salut. J'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore une application qui vous sera utile, que j'utilise assez souvent. Et j'ai cette conviction-là que vous aussi, vous allez l'adorer. Si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos. Pour s'abonner, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner ici et tu vas venir activer la cloche de notification qui est là et tu vas mettre sur toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois que je fais un nouveau tuto, tu seras informé. Voilà. Donc, comme je le disais, l'application qu'on va découvrir ensemble, comme vous pouvez le voir sur mon écran ici, il y a un petit cadenas qui est là. Vous voyez le petit cadenas qui est là. C'est un cadenas qui est vraiment très important que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette vidéo. Vous êtes déjà arrivé de vouloir soit écouter de la musique sur YouTube ou bien faire quelque chose, mais la lumière du téléphone vous gênait. Parce qu'on le sait tous, lorsque on est sur YouTube par exemple et on veut lire une vidéo, voilà, on veut lire une vidéo, lorsqu'on quitte la vidéo se coupe automatiquement. Et ce problème-là, ça peut être récurrent lorsque vous avez par exemple de la musique à écouter sur YouTube, vous ne pouvez pas quitter parce qu'il y a la lumière en fait du téléphone qui allume au risque de décharger votre batterie. Donc c'est ici que cette application apparaît. Donc déjà, c'est comme ça. Lorsque vous allez soit écouter de la musique, par exemple, et vous ne voulez pas que la lumière vous dérange, vous allez venir appuyer tout simplement sur le petit cadenas qui est là, et vous allez voir que votre téléphone va passer en mode noir, comme si vous avez verrouillé votre téléphone, mais la musique continuera toujours de chanter. Par exemple, si je lis, par exemple, moi, ma vidéo, Info Astuces d'Abidjan, et toujours pour j'appuie vous sur le présenter cadenas, un nouveau tuto. Dans le tuto vous qu'on voyez va voir que aujourd'hui, la vidéo continue on toujours, va mon créer téléphone un compte s'est MyTap. verrouillé. Vous voyez, je vais déverrouiller. Voilà. Voilà, vous voyez que ici, pour l'ouvrir, j'appuie sur ouvrir tout simplement et Créer la vidéo un pourra compte MyTap, que continuer. ce soit sur ton Vous téléphone, voyez, hein? sur Une ton fois que c'est PC verrouillé ou comme ça, appareil. ça Alors, ce continue que tu dois toujours faire, c'est que à bien tout chanter. J'appuie sur simplement ouvrir ouvrir et je un compte reprends MyTap la à ce vidéo en compte-là. marche. Voilà. Donc, si vous écoutez de la musique, ça peut être très utile parce que vous allez pouvoir écouter de la musique en ayant votre écran verrouillé. Voilà. Donc, pour avoir cette application, c'est tout simple. Vous allez venir sur Play Store et vous allez écrire Black Screen Video. Voilà. Black Screen Video Off. Vous allez télécharger l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez faire ouvrir et ça va s'afficher comme ça. Voilà, ça va s'afficher comme ça. Et vous allez venir activer ici l'écran noir. Vous voyez ici, c'est marqué activer l'écran noir ici. Vous allez cocher cette case-là. Cocher cette case-là. Et là, vous allez voir que le petit cadenas va apparaître. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose sur YouTube ou vous voulez verrouiller votre téléphone comme ça, vous allez appuyer sur le petit cadenas simplement. Et là, vous allez voir que votre téléphone va être verrouillé et la musique continuera toujours de chanter. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.